c'est... Non! Harry Berlin! C'est bien ce que je pensais, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit, je parie que c'est Harry Berlin! Et pas de problème, c'est le vieux Harry Berlin en personne. Qu'est-ce que tu es devenu, Harry? Qu'est-ce que tu as fait depuis le temps? Ça doit faire au moins 15 ans qu'on s'est vu pour la dernière fois. C'était à cette fête, t'as pas les examens. Je t'ai dit, ne nous perdons pas de vue, tu m'as dit, je t'appelle dans quelques jours, et j'ai plus entendu parler de toi. 15 ans. Cela fait vraiment 15 ans. 15 ans? Difficile à croire. À vrai dire, 15 ans le mois prochain. C'est vrai. 15 ans le mois prochain. 15 ans. Qui êtes-vous? Milt. Milt Menville, ton vieux camarade de l'université de Poliars. Eh oui, Milt. Je suis courtier dans la journée. Rente, titre, action, tu vois le genre. L'argent coule à flot. Ça marche magnifique. Depuis la nuit, je m'occupe de brocantes et vêtements d'occasion à mon compte. Boulot facile, gros bénéfice. Et puis figure-toi, je me suis marié. Et oui, en fin de compte, j'y suis passé. Hélène, fille merveilleuse. Merveilleuse. Je fais tout pour elle. Une maison en banlieue chic, ma parole, 30 000 dollars, sans compter les arbres. Des arbres fantastiques, il faut les voir. Hé, regarde cette montre. Or massif, 22 carats. Tu as vu la marque? Hein? C'est de la soie, d'importation. C'est quelque chose, non? Hein? Hé, sens-moi ça. Vas-y, sens. Hein? Pas mauvais, hein? Bon, et toi, Harry, qu'est-ce que tu es devenu, raconte? À fond, Milt. À fond. Ça ne peut pas être pire. Je suis au bout du rouleau. Comment ça? Le monde, Milt. Les gens, la vie, la mort, les vieux problèmes, j'en crève. Voilà. J'avais quitté l'université depuis 15 jours à peine quand c'est arrivé. Des illusions, des espoirs, déchéance, toute la série, j'ai reçu tout ça en pleine gueule. C'était un dimanche. Un chaud et pareil ce dimanche. J'étais assis dans le parc. Le soleil me brûlait la nuque. J'avais un livre sous les genoux. Je lisais, je pensais à mes projets, mes plans, à l'avenir. Tout à coup, j'ai levé les yeux et j'ai vu. Là, devant moi. Comment te faire comprendre, Milt? C'était un chien! Ouais! Un fox terrier! J'aurais juré que c'était un fox terrier, mais qui saura jamais? Disons que c'était un chien, Harry. Oui, c'était un chien, d'accord? Un chien continue! Et il avait l'air d'un petit vieux, avec sa petite barbe blanche, sa petite figure ridée. Il se tenait là, debout, en face de moi. Étonnant, Milt! C'est qu'il riait! Il riait aussi fort et aussi nettement que je te parle en ce moment! Et le voilà qui vient vers moi. Cette fois sur ses quatre pattes. Il est arrivé près de moi. Arrivé près de moi et... Il a levé la patte et... Non! Plein mes pantalons, Gabardi! Je te jure, ils étaient complètement inondés! Il a fait demi-tour sur lui-même, il est parti. Tout cela est tellement grotesque, tellement irréel. Je pensais, ma raison, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parmi tous les gens de ce jardin, parmi des centaines, des milliers de gens, pourquoi moi? Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Comment est-ce que tu peux expliquer ça, Milt? C'est à partir de là que tout a commencé. À partir de là, tout a changé. Tout a changé pour moi. J'ai pris conscience.
immense pourriture insensible et nauséabonde. Ensuite, plus rien n'a eu de sens. Plus rien! Tes études de médecine. Je ne pouvais plus. Le livre que tu avais commencé. Mais pourquoi faire? Ton diplôme de grec. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer. Plus de racines, plus de modus vivendi. Je voulais d'abord trouver un sens, oui. Obtenir une réponse. J'ai voyagé. J'ai été partout. J'ai tout vu. J'ai étudié avec un brahman à Calcutta, avec un bouddhiste à Nagoya, avec un rabbin à Los Angeles. Rien. Je ne trouvais rien. Je ne savais plus quoi faire de moi-même. Je ne savais plus vers quoi me tourner. Je me suis mis à boire, à jouer, à fumer de la marijuana. J'ai vécu dans des bordels. J'ai pris des leçons de guitare. Rien. Toujours rien. Ce soir, Milt. Ce soir, j'allais en finir, bêtement. Faire un dernier geste de désespoir et... Et voilà. Tu ne veux pas dire... Si. C'est affreux. C'est affreux. Milt, j'ai honte de toi en ce moment. J'ai honte d'avoir été ton camarade à Poliard. Demande-moi en quoi je crois! En quoi crois-tu, Harry? Je ne crois en rien, Milt! Rien, mais. Mais comment peut-on continuer à vivre sans croire à quelque chose? Mais c'est justement là mon problème! Il n'y a pas de solution! Sauf là! En bas! Allons, allons! Reste en calme, Harry! Reste en calme! Ne perdons pas notre contrôle! Gardons notre sang-froid! Reste en calme! Reste en calme! Écoute, je comprends. Je ne peux comprendre tout ce que tu as dit. Mais pourtant, Harry, tu ne trouves pas bizarre, et même un peu plus que bizarre, que je sois passé par là, comme à la minute, à l'instant même, à l'instant exact et précis où tu songeais à cette chose horrible. Tu ne veux pas dire? Je ne le dis pas. Je ne l'ai pas dit. Mais rappelle-toi une chose, Harry. La science ne répond pas à tout. Ça me rend malade rien que d'en parler. Si tu savais par quelles angoisses, par quelles tortures je suis passé, ça n'est au point que parfois en plein jour ou en pleine nuit, mon corps se paralyse entièrement. Je ne peux plus remuer un seul muscle. Harry! Harry! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Harry? Mais pour l'amour du ciel! Au secours! Au secours, quelqu'un! Au secours! Mais Harry, parle-moi, regarde! C'est comme ça que ça se passe! Tu m'as vu mourir de peur. Mais pourquoi vas-tu pas avoir un médecin? Mais je n'ai besoin de quelqu'un. Je n'ai besoin de voir personne. Je sais ce que c'est. C'est la volonté de vivre qui m'abandonne. Elle sort de moi, elle tombe par terre. Non. Pourquoi bouger? Pourquoi faire quelque chose? C'est ce que je me dis, pourquoi faire quelque chose? Et puis ce n'est pas tout. Parfois je perds la vue, je deviens complètement aveugle, je me mets à marcher à tête. Que ce soit possible. Eh bien si, c'est possible. Je suis un vivant exemple.
Et maintenant que tu m'as vu, tu peux comprendre. Harry, tu me parles, Harry? Je ne t'entends pas, Harry. Est-ce que tu ne peux pas parler un peu plus? Oh mon Dieu, ça aussi? Oh non, non. Je comprends, Harry. Donne-moi ça. Cher Harry, ce que nous ne devons... Tu pourras même laisser finir. Je t'entends mieux. Tu m'entends? Je ne peux pas parler, mais j'entends très bien. Pourquoi parler? Les mots n'ont pas de sens. Ils n'ont plus de sens. Ils sont comme des cailloux qui rebondissent dans une boîte vide. Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça ne sert à rien, Neil. À rien. Non. Et pitié. Laisse-moi finir. Il sera toujours temps de le faire. Mais est-ce qu'il t'est jamais venu dans ta tête que si tu es dans cet état, c'est parce que tu n'as pas connu la sensation que peut procurer l'argent, le pouvoir, les relations? Oh, mille! Oh, ne crache pas dessus. Regarde-moi et pose-toi la question. Pourquoi est-il monté si haut et pourquoi moi suis-je tombé si bas? Pose-toi la question. Nous sommes partis tous les deux du même pied. Plutôt, tu avais de l'argent sur moi. Tu avais l'argent que tes parents t'avaient laissé. Moi, je n'avais que mes deux mains et l'œil vif. Pendant que les autres dormaient, moi, je travaillais. Pendant que les autres disaient que c'était impossible à faire, je m'y mettais et je le faisais. Grâce à mon énergie, ma persévérance et ma confiance en moi, j'ai réussi à faire quelque chose de moi. Mes parents m'ont laissé quelques millions pourris, c'est vrai. Mais n'oublie pas que je n'ai jamais vécu avec eux. J'ai été aidé par mes grands-parents. Et ça, c'était l'enfer, Bill. Tu peux me croire, c'était l'enfer. Si tu avais vécu 15 jours avec mes parents, tu aurais su ce que c'est que l'enfer. Ces deux-là, ils n'étaient toujours pas sautés à la gorge comme des chats. Mais la pauvreté, l'ignoble, l'humiliante pauvreté. Je n'ai pas pu aller à l'école avant d'avoir l'âge de 8 ans parce que je n'avais pas de souliers. Et lui, par chance, le voisin du dessous s'est fait écraser par une ambulance et j'ai eu ces souliers. Seulement, ils étaient si étroits pour moi, je ne pouvais pas marcher. On m'a mis dans une classe spéciale pour enfants déficients. Et tu trouves ça terrible? Moi, mes grands-parents, ils avaient l'habitude de fermer la maison pour que je reste dehors. Ils ne supportaient pas, je leur appelais mon père. Je me souviens, un jour je suis rentré sous une violente tempête de neige. Ils avaient mis le verrou, mais je cognais, je hurlais, je martelais la porte avec mes petits poings gelés. Ils riaient de moi, mais ils riaient. Imagine-toi ça, pauvre grand gosse efflanqué, dehors. Debout, sous une violente tempête de neige. Avec sa petite veste râpée. Un sac en papier sur la tête en guise de chapeau. Il cogne. Il hurle. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi. Le paradis. C'était le paradis à côté de mon enfance à moi. Imagine, il est tard dans la nuit. Dehors, le vent souffle. Petit garçon sous-alimenté, assis à côté de son poêle à pétrole refroidi, essaie de donner à manger à son cheval de bois un morceau de pain qu'il a chipé pendant le dîner. Les parents sont en train de se disputer. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à foutre le camp, répond la mère en hurlant. Dans un accès de fureur hystérique, elle s'empare du pauvre jouet et le lance à la tête du père. Il esquive. Le cheval de bois s'écrase contre le mur. Le garçon s'effondre près de son cheval de bois tout cassé. Le seul objet qu'il ait jamais aimé. Il sanglote doucement. J'ai été battu. Avec quoi? Avec une courroie, un bâton, une planche à repasser. Avec une chaîne. Grosse comment? Aussi grosse que mon poignet.
Qu'est-ce que tu avais pour le petit déjeuner? À la maison. À la maison. Un verre rempli aux deux tiers d'eau, un tiers de lait. Du marc de café, voilà ce que j'avais. Avec du sucre, jamais de la vie, je le mangeais comme ça, comme de la bouillie. Est-ce que ta mère t'a jamais embrassé? Une fois, j'avais mis ma tête entre ses lèvres et une photo de Clark Gable. Eh bien moi, je n'en ai jamais eu autant. Quel cadeau avais-tu pour Noël? Des cadeaux? Quand j'avais 5 ans, mes grands-parents ont acheté une boîte de pain d'épices. Jusqu'à l'âge de 17 ans, chaque Noël, j'ai eu un pain d'épices. Toujours dans la même boîte. Tu étais un enfant heureux, tu ne le savais pas? Mais c'était du pain d'épices à la cannelle! Marie, tu t'écartes du sujet. Même si nous sommes partis du même pied, je t'ai dépassé, j'ai réussi. À force du poignet, j'ai acquis du respect, des responsabilités, de l'importance. Et ne crois pas que ça a été facile. C'est la jungle, un petit bout près l'autre. J'ai tenu bon. J'ai mis le paquet, j'ai pris deux jobs à la fois. Prends type action dans la journée, et la nuit, brocante et vêtements d'occasion. Qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, 7 jours par semaine, 52 semaines par an, je n'ai jamais déplé, pas même après avoir atteint mon but. Toujours plus haut, par moi-même, chaque pouce de terrain, pied à pied. Laisse-moi te dire une chose, Zach. Rien n'attire la réussite comme la réussite. Mais tu sais bien que ça ne m'intéresse pas, Milt. J'ai besoin d'autre chose pour avancer. Une belle tente jambe! Une raison de vivre. Mais ça se trouve pas tous les jours. Tout devient amer dans ma bouche. Tout devient poussière entre mes doigts. C'est comme si je me tenais debout au fin fond du monde et que je n'ai rien d'autre à faire qu'à m'asseoir par terre et mourir. Mais ne parle donc pas comme ça! Mais comment as-tu pu changer à ce point? Je n'arrive pas à y croire. En classe, tu étais un de ces garçons débordants de vie, toujours prêt à rigoler. Rappelle-toi, Harry. Rappelle-toi quand nous défilions sur le terrain de football, avec nos uniformes rouge et or, en tête l'orchestre des filles, le Poly Arts All Girls Band, toi à droite et moi à gauche, avec nos cannes qui voltigeaient en l'air. Alma mater, marchons sans nous en faire, volons vers la victoire sur les ailes de la gloire. Oui, je me rappelle, oui. Alma mater, porte bien la lumière, nous serons victorieux, et nous reviendrons pour d'ici peu. Laisse tomber vite, l'intérieur. Ça me démolit encore plus. Tu avais raison, à l'école, tu étais tellement différente. Ah, j'attendais tellement du monde, de moi-même, de... des étoiles, du soleil. Tu te rappelles comment on m'appelait à l'école? Dostoïevski. Ouais, c'est ça, Dostoïevski. Ah, quelle énergie, quelle ambition. Ma carrière médicale, mes études de grec, mes études littéraires, toujours le nez dans un livre, déjà griffonné des plans, des idées, des nouveaux champs d'exploration, Laisse-moi finir, et qu'on n'en parle plus. Harry! Harry! Arrête de faire ça! C'est monstrueux de faire si bon marché de la vie! C'est ta prime! Là! Voilà! Je suis content de te l'avoir dit. Regarde-toi à ton âge, usé, vaincu, le corps et l'âme en ruine! Faut des tripes pour vivre, Harry! Faut que tu aies des tripes pour faire quelque chose de ta vie! Harry, écoute-moi. Harry, l'amour. L'amour? Oui, Harry, l'amour. L'amour d'un petit garçon pour son cheval de bois. L'amour d'un vieux camarade de classe. L'amour d'un homme pour une femme. Est-ce que cela ne signifie rien pour toi? Qu'est-ce que tu crois qui m'a fait tenir le coup si longtemps, hein? D'après toi? Alors je ne sais pas si je suis capable d'aimer.
C'est ce que chacun dit jusqu'à ce qu'il trouve la femme qu'il faut, et alors? Alors quoi? Je ne sais pas. Comment pourrais-je savoir? Tu ne veux pas dire? Si, famille. Oh, ah oui. Avoir vécu, ne pas avoir connu l'amour, tu appelles ça vie? Mais si tu ne sais pas ce que c'est que la vie, comment peux-tu penser à la détruire? L'amour, on en dit des tas de choses. Très bien! Mais on en parle beaucoup! Parfait! Mais où est-il, Mille? Où? Je ne l'ai jamais rencontré! Et pourtant, j'ai fait deux fois le tour du monde! J'ai frappé à toutes les portes! Parce que tes yeux sont fermés, Harry, tes yeux sont fermés! Comment crois-tu que j'arrive à tenir le coup? Travailler tous les jours que Dieu fait? Sacrifier ma jeunesse, ma santé, ma vie même? Une poignée de gros sous pour quelques pieds crasseux. Hein? Si je n'avais pas une compensation, quelque chose qui donne une valeur à tout ça. C'est ça, toi, tu comprends? Mais bien sûr, je comprends, Harry. Demande-moi en quoi je crois. En quoi crois-tu, Mille? Je crois en l'amour. L'amour? L'amour. Ah, si je pensais qu'il pouvait y avoir encore une chance. Mais bien sûr qu'il y a une chance, ce seul fait de vivre te la donne, cette chance. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je vais t'aider. Je vais te sortir, te faire rencontrer des gens. Tu finiras par rencontrer une femme. Laisse-moi te le dire, mon vieux. Un jour, tu te mettras à genoux et tu me diras merci. Qu'est-ce que tu en dis? Ça n'est pas facile, hein? Il faut que tu comprennes, Mille, que c'est... Les étoiles, le soleil, les... Harry! Harry, mais tu vas pas recommencer! Harry, pour l'amour de Dieu, Harry! Harry, l'amour! L'amour! Ça y est! Ah! Ça me l'a fait! Ça y est, je te jure, ça a marché! Aussitôt que tu as prononcé le mot amour, aussitôt j'ai senti tout mon corps qui se mettait à fondre. Ah, tu vas bien, qu'est-ce que je t'avais dit? Donne-lui une chance! Et donnez une chance à l'amour! Tu pourrais bien perdre. Je peux toujours en finir si je veux. Bien sûr, tu peux. Très bien, vite. Ça, c'est mon vieux copain. Maintenant, tu vas me promettre. Tu as ma parole. Fini les bêtises, hein? Fini. Magnifique, magnifique. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça change la vie, Harry. C'est comme si tu prenais un nouveau départ. Ça change tout. Tu es dans le dernier dessous, et la seconde après, tu es au septième ciel. Imagine-toi, je suis plus amoureux aujourd'hui que le jour où je me suis marié. Ah? Ouais. Malheureusement, ma femme ne veut pas divorcer. Comprends-moi bien, je ferai n'importe quoi pour elle. Mais quand l'amour est parti, qu'est-ce qu'il reste? On n'a plus de frissons, on n'a plus de sensations, on n'a plus d'emballement, on n'a plus rien. Voilà sa photo. Ta femme? Mais non, Linda, la femme que je veux épouser. Tout ce qu'elle fait a du charme, de la grâce. Une touche orientale fascinante. Oh, regarde ses yeux, Harry. Et sa bouche et cet air voluptueux de vierge. Oh, bon Dieu, Harry. Tu peux pas savoir à quel point j'aime cette femme. C'est en devenir fou. Je ne supporte pas d'être loin d'elle, pas même une minute. C'est en devenir fou. Essaye d'obtenir le divorce. Mais pour ça, il faudra en parler à Hélène. Mais tu ne connais pas les femmes, Harry. Dis-lui, elles te diront non. Dis non, elles te diront oui. Non, c'est pas une solution, jamais de la vie. Regarde-moi, Harry. J'ai l'air heureux, non? J'ai l'air comblé par la vie. Eh bien, ça n'est pas vrai. Je suis un malheureux, un pauvre héros. Que nous allons devenir? Oh, Mille, ne te laisse pas aller, Mille. C'est facile à dire, tu sais pas ce que c'est, on travaille dans le même bureau. On ne peut pas se parler, on ne peut pas se regarder. Nous sommes obligés de nous rencontrer dans des petites rues écartées, hein, des cafés ponts, des ébrouillants, des terminus d'autobus. Notre cœur m'aura laissé tomber depuis longtemps. Oh, mes ailes, cette femme-là. Oh, je te le dis, Harry, je vais en devenir fou.
Alors, mais tiens, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé tout? Essayé tout? Elle ne veut pas divorcer, je sais qu'elle ne veut pas divorcer. Je n'irai même pas m'empoisonner ma vie à le lui demander. Non, j'ai étudié le problème des milliers de fois. Linda et moi, nous ne parlons que de cela. Oh, sa solution serait qu'elle veuille elle-même le divorce. Elle rencontre quelqu'un et... Qu'elle rencontre quelqu'un et... Oh, Harry, mon vieux Harry, mon copain, mon vieux copain. Alma mater, marchons sans nous en faire, volons vers la victoire, sur les ailes de la gloire. Non, une fois pour toutes, non, ne me demande pas. Tout ce que je reçois pour t'avoir sauvé la vie, par leur reconnaissance, je t'ai dit non. Tout ce que je te demande, Harry, c'est de la rencontrer, seulement la rencontrer. Non, non. Dostoïevski. Ça ne change rien, laisse tomber. À vivre avec une femme tout en emmenant une autre. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas travailler. De quoi penser que je sois fait? Tu parles pas sérieusement? Ah, tu crois ça? Regarde! Regarde ça! Tu ne t'es pas demandé ce que je pouvais bien faire ici, Harry? Tu ne t'es pas demandé ce que je pouvais bien faire dans cet endroit perdu? Tu ne veux pas dire que... Toi-même tes conclusions. Ah non, je ne veux pas voir ça. C'est la chose la plus lâche, la plus laide, la plus révoltante. Tu l'es vraiment? Oui, c'est elle ou moi, l'un ou l'autre. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, Harry. Maintenant, tu vas me laisser. Alors, Milt, ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été si équilibré, si désireux d'aller de l'avant, de faire quelque chose de toi-même. Tu n'as pas envoyé tout pour emmener maintenant, non? Je suis au bout du rouleau, Harry, j'en peux plus. Les premiers jours de classe, tiens, toujours à travailler, parler business, finance, Wall Street, investissement. Mais tu ne vois pas que j'en ai marre, Harry. Jusque-là, j'en ai marre. Et l'amour, Milt? L'amour? Oui, l'amour, ce dont tu me parlais tout à l'heure, là. Linda. Linda, justement. Rencontre-la, Harry, rencontre-la seulement. Linda? Mais non, elle rencontre Hélène. Tu promets d'arrêter tes bêtises? Je te le promets, oui. Et le... Je te le promets. Donne-moi. Tout ce que je te demande, Harry, c'est de la rencontrer, seulement de la rencontrer. Elle part, Et elle lit, et cette femme n'arrête pas de lire, et elle joue de la guitare. Classique ou flamenco? Qu'est-ce que tu dis? La guitare, elle joue classique ou flamenco? Alors ça, je peux vraiment... Moi? Je joue flamenco. En tout cas, je joue bien, très bien, n'importe quoi. Et elle lit, Harry, cette femme lit des livres dont j'ai jamais entendu parler. Et des livres reliés aussi. Bon, j'en rencontrerai. Mais c'est tout ce que je ferai. C'est tout ce que je te demande de faire. Tu promets... Arrêtez tes bêtises. Je te le promets, oui. Très bien. La voilà, Harry. La voilà. Viens par ici. Viens par ici sur la présentation.
Voilà, je viendrai te chercher. Ne bouge pas de là, je viendrai te chercher. Hélène, où étais-tu? Je commence à me faire du souci. Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Je suis tombé sur un de mes vieux amis. Harry Berlin. Tu te rappelles, je t'ai parlé de Harry Berlin. Nous avions la même chambre à l'université. Oh, c'est un type épatant. Je veux que tu fasses sa connaissance. Je suis sûr que vous allez vous entendre tous les deux. Ah. Ah, ça ira. Il faut que Harry se rende compte de la chance que j'ai. Ah, tu sais, c'était vraiment trop drôle. Je suis venu ici pour te retrouver. Il était là, comme il est là maintenant, penché sur le parapet. Oh, je l'ai reconnu tout de suite. Mais il a beaucoup changé, tu sais. Il faudra être gentil avec lui. Il en a vu de toutes les couleurs, le pauvre. Je te rappelle que je t'ai parlé de lui. Mes copains l'appelaient Dostoïevski. C'est le train de l'université. Oh, oh, quel type. Oh, il joue formidablement de la guitare. Mais il est malade maintenant. Il a besoin d'encouragement, une raison de vivre, d'amour. N'aie pas peur s'il a une crise. Il vient juste de s'en remettre, le pauvre gars. Faut te les noircir, ça te fait des yeux merveilleux. Ça te donne un regard profond. Presque oriental. Voilà. Voilà. Là. Voyons voir, Hélène. Oh, tu es magnifique. Une vraie beauté. Viens, maintenant. Je voudrais te présenter... Sans mythe. Mais pourquoi pas, il nous attend. Qui attend que j'aie te parler? Hélène. Ce que j'ai à dire ne prendra que quelques minutes. Garde davantage. Tu es rentré à 1h du matin la nuit dernière. Mais je t'ai dit ce qui s'est passé. J'étais au bureau, des clients sont venus, le patron était là, je ne pouvais tout de même pas. Mythe! Mais c'est la vérité! Je n'éprouverai aucune satisfaction à te prouver que tu mens. Aussi restons-en là! J'ai quelque chose à te montrer. Je l'ai fait hier soir pendant ton absence, je vais t'expliquer. Ces lignes verticales noires divisent les 5 années de notre vie conjugale en période d'un mois. Ces lignes verticales bleues divisent les mois en semaines. Bon. Chaque fois que la ligne horizontale rouge tracée au sommet du graphique rencontre la ligne verticale bleue, cela indique un rapport sexuel pour une période de 7 jours. Mon Dieu, ciel, nous pouvons parler de cela plus tard. Tu remets toujours à plus tard. C'est ton petit jeu favori, non, Milt? Pas ce soir. Les choses doivent être dites quand on peut encore les dire. J'aimerais continuer si ça ne te fait rien. Voilà. Tu pourras remarquer comment, au début de notre mariage, la ligne horizontale rouge rencontre la ligne verticale bleue jusqu'à 14 ou 15 fois par semaine. Et comment, peu à peu, le nombre de contacts diminue jusqu'à il y a 18 mois où nous trouvons une brusque interruption. La dernière se situant au 23 juillet, le soir du mariage de ta sœur. Et comment, après cette date, la ligne horizontale rouge ne rencontre plus une seule fois la ligne verticale bleue? Plus une fois. Il n'y a rien d'autre à ajouter, Mitz. Lorsqu'il arrive une chose de ce genre dans une vie conjugale, on ne peut plus continuer à faire semblant. Toi, tu veux faire semblant. Oh, la tentation est grande de fermer les yeux, de trouver des excuses, de rationaliser. Mais ici, Mitz, ici sont inscrits des faits. Je ne me sens plus responsable vis-à-vis de toi et de ma conduite personnelle.
Bonjour. Tu m'en veux beaucoup. Il ne s'agit pas de t'en vouloir, non. Nous sommes bien au-delà de tout ça. Je vois. À mon tour, je voudrais te poser une question, Hélène. Parle, je ne peux pas t'en empêcher. Est-ce que tu crois que notre mariage est un échec? Je le crois. C'est ce que je pensais. Je pensais bien que c'était ça, au fond. Eh bien, avant de t'accorder le divorce... Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce. Nous avons commis une erreur. Nous devons nous en accommoder au mieux. Et nous allons agir en être civilisés. Je n'ai absolument pas l'intention d'agir autrement. Je vois. Hélène. Je voudrais te présenter un de mes amis sur qui je suis tombé par hasard un peu avant que tu n'arrives et qui nous attend là-bas. Je connais mon devoir. Très bien. Alors je te rappelle que c'est un de mes amis et que tu dois par conséquent le traiter avec la plus grande amabilité. Toute bienveillance de ta part à son égard, je la considérerai comme une gentillesse envers moi. Je comprends parfaitement. Très bien. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Non ! Du moment que nous nous comprenons, tout va bien ? Hélène Melville. Hélène Melville, Harry Berlin. Mes deux meilleurs amis. Mon meilleur camarade. Ma meilleure femme. Ah, j'attendais cet instant depuis des années. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Je crois que je vais vous laisser seuls tous les deux, afin que vous fassiez connaissance. Hein, c'est une bonne idée, ça. Harry, excuse-moi, mais je suis parti sans prendre d'argent. Est-ce que tu pourras me prêter 10 dollars? Je te les rends tout à l'heure. Ce sera assez? Oui, ce sera assez, merci. Je te les rends tout à l'heure. C'est une fille merveilleuse. Ça lui a valu un temps d'embêtement. Et c'est là pour moi. Bon, ne bougez pas, hein, tous les deux. Je reviens tout de suite. Hein. Classique ou flamenco? Flamenco. Moi aussi.
C'est l'Empire State Building là-bas. Je sais. J'aimerais bien y aller un de ces jours. Moi, pas. Pas moi. Pas moi. Vous devez avoir raison. Une étoile. La première, on la voit à peine, elle est si pâle. Étoile lumineuse, étoile radieuse, la première que voient mes yeux, je fais un vœu. Faites un vœu. Je voudrais être lesbienne. Vous ne pensez pas sérieusement? Si. Bien sûr que si. Je n'aurai plus tous ces problèmes humiliants. Mais vous auriez d'autres problèmes? Lesquels? Celui de trouver des filles, par exemple. Ça serait trop facile. Et une quantité d'autres choses. Vous savez combien coûte une coupe de cheveux au rasoir à l'heure actuelle? Je serais trop heureuse de me la payer. Tout, mais toute cette souffrance, tout! Vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester ici si vous n'en avez pas envie. Je peux très bien dire à mes... Je n'ai rien d'autre à faire. Non, non plus. Sur mon cœur, il a changé ma vie depuis sa première heure. Je sais, Milt m'a tout raconté. En larmes, j'ai crié que ça ne pouvait être. Ça finira par s'arranger. Mais l'amour en retour, c'est rire de mon pauvre être. Il faut être patient avec lui. C'est des choses qui arrivent, ça. Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Je suis un peu nerveuse ce soir. Il fait bon dehors. Nous allons bientôt avoir de la pluie. Vous croyez que c'est haut jusqu'en bas? Ouais, encore assez. Vous savez, j'ai peur de l'eau. Je suis incapable de nager une brasse. Mais ce soir, avec la lune qui brille, c'est si beau. Et presque attirant. Vous ne devriez pas parler comme ça! Vraiment! Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, Harry? Qu'est-ce qui m'a rendu comme je suis? Non, ne me répondez pas. Je regarde en arrière. Les choses ne pouvaient tourner autrement. J'ai eu une enfance impossible. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Je vivais 6 mois avec ma mère, 6 mois avec mon père. Je passais de l'un à l'autre comme un vieux sac. C'est une enfance bien plus heureuse que la mienne, Hélène. Moi, les miens m'ont laissé chez mes grands-parents. Et croyez-moi, c'était l'enfer. Oui, l'enfer. C'était pas aussi pénible que ce que j'ai traversé, Harry. Oh non! Mais c'était pire que ce que vous avez traversé, Hélène. 100 fois pire! Avez-vous jamais vécu avec un alcoolique? Mon grand-père buvait. Assez pour avoir des crises de délire trémasse? Il tremblait un peu. Oh, c'est pas la même chose, Harry. Oh non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un vous a jamais traité de bâtarde? Quelqu'un de la famille ou un étranger? Quelqu'un de la famille. Eh bien, moi, on me traitait de bâtard. On m'a jamais souhaité mon anniversaire! J'ai jamais su quand était mon anniversaire! Jusqu'au jour où j'ai eu ma feuille pour le recrutement! Est-ce que quelqu'un n'a jamais essayé de vous violer? J'ai dit, est-ce que quelqu'un n'a jamais essayé de vous violer? Quand j'avais 15 ans, Henri. 15 ans à peine! Deux garçons! Si je ne m'étais pas débattue, si je n'avais pas crié! Où était-ce? Où était quoi? Là où les deux garçons ont essayé de vous violer. À Cuisse, sur Parsons Boulevard, entre l'arrêt d'autobus et la maison. Ah, je n'ai jamais été sur Cuisse!
seule, Harry. J'étais toujours seule. Je n'avais personne avec qui parler, avec qui avoir des échanges. Je ne pouvais pas me faire d'amis car je ne restais jamais assez longtemps au même endroit. Je me suis renfermée de plus en plus sur moi-même. Je lisais. Je vivais dans un monde imaginaire. Sans me rendre compte, je suis devenue une adulte. La vie était une réalité. D'une part, je possédais un esprit froid, calculateur, tranchant comme un rasoir, incisif, pénétrant. Les hommes avaient peur de moi. Ils avaient peur de mon intellect, de mon pouvoir d'analyse, de ma mémoire photographique. Ils ne voulaient pas discuter avec moi. Ils devinrent pleins de rancune à mon égard, distants. Ils m'évitèrent parce que j'étais devenue une menace pour leur sentiment de supériorité masculine. Posez-moi une question, Harry. Combien d'états Al Smith a-t-il gagné aux élections de 1928? Aux élections de 1928, le candidat présidentiel Alfred Smith a gagné 8 états. C'était les états d'Arkansas, d'Alabama, de Géorgie, de Louisiane, Mississippi, Massachusetts, redescend et Caroline du Sud. Bon, eh ben très bien. J'ai été très content de parler avec vous, mais là, faut vraiment que je m'en aille. Non, Harry, restez, je vous en prie. Restez, ne partez pas encore. Et vous, d'autre part, j'étais une femme. Une femme qui voulait être aimée. Qui voulait avoir des enfants. Qui voulait avoir toutes ces choses ordinaires, ennuyeuses et petites bourgeoises. Ces choses qui paraissent si naturelles aux autres femmes. J'acceptais volontiers les nécessités biologiques et sociologiques. J'admettais volontiers ma féminité. Mais comment combler la brèche? Je n'avais pas demandé l'éducation universelle. Pourquoi m'avoir donné de la culture, Harry, si c'était pour m'obliger à vivre cette existence coupée en deux? Il est un peu tard pour se poser la question. Si peu d'espoir pour continuer à vivre. Et l'amour? Oui, l'amour, qu'est-ce que vous en dites de l'amour? Je ne sais pas, une fois peut-être. Une fois suffit, c'est plus que la plupart des gens. Mais vous ne savez rien des femmes, Harry. Pour une femme, n'avoir jamais connu l'amour n'est pas tragique. Le rêve subsiste, le rêve. Elle en a beaucoup plus besoin que de la réalité. Mais quand l'amour devient une émotion cynique, me voir se changer en haine et en mesquinerie, c'est ça qui a détruit. Elle perd le rêve et cela fait d'elle un animal, une petite créature vicieuse qui ne pense qu'à griffer, qu'à mordre et qu'à prendre sa revanche. Regardez, Harry, regardez. Vous savez ce que j'allais faire avec ça? Vous ne voulez pas dire que... Si! Mille Melville! J'allais m'en servir contre lui! Je sais qu'il me ment! Je sais qu'il fréquente une autre femme! Je ne laisserai pas faire! Je ne le supporterai pas! Ne fais pas ça, il n'énerve pas la peine! Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Je ne peux pas tout recommencer! Je me fais passer facilement des amis! Voyez bien qu'il me reste qu'une seule chose à faire! Oui! Oui! Non! Donnez-moi! Laissez-moi, Harry, je vous en prie! J'ai une fille intelligente comme vous! J'ai pris ma décision, je vous en prie! Et ça, vous le voulez? Vous en êtes sûr? Vous n'allez pas vous remettre à faire l'idiote, n'est-ce pas? Non, Harry, je suis désolée. Vous promettez? Je le promets.
Je ne rencontre pas souvent des gens... N'en parle plus! Je voudrais... J'ai dit, n'en parlons plus! Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Vous me filez la migraine! Faut avoir pitié de ton prochain! Excusez-moi. Ça va, ça va. Mais papa, parlez-vous bien souvent? Il y a 15 ans que je ne l'avais pas rencontré. Ne me disait que du bien de vous. J'ai changé. J'ai beaucoup changé. Il vous considérait comme une sorte de père. Il ne m'a jamais dit ça. Vous savez comment il est? Il aurait dû. Je l'aurais aidé à faire ses devoirs. Harry, n'a-t-il rien? Non! Pour moi, il n'y a rien! Vous ne pouvez pas dire cela! Je peux pas! Je peux pas! Vous n'avez jamais connu l'amour, n'est-ce pas? L'amour? L'amour, il est là en chacun de nous! Mais. Je croyais que. Vous savez, c'est difficile de tuer un rêve, Harry. Asseyez-vous donc. Alors j'ai crié que ça ne pouvait être. Je ne suis pas l'homme que vous imaginez. Mais l'amour en retour rit de mon pauvre âge. Je suis un homme mort, mort à l'intérieur, mort aux êtres et aux choses. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu resté? Hélène, arrêtez cette chanson de malheur. Je ne peux pas changer. Pourquoi ne m'as-tu prise que pour te moquer de moi? Et puis, la partie est finie. Je ne peux pas changer. Il n'y a pas d'issue, pas d'issue. Alors, oh, Hélène, Hélène. L'amour a étendu son ombre sur mon cœur. Il a changé ma vie depuis la première heure. Faites pas danser, Harry, faites pas danser! Cela fait des années! Laissez-vous aller, Harry, laissez-vous aller! Oh, comme c'est amusant! Comme c'est amusant! Faites-moi tourner, Harry, faites-moi tourner! Hélène, j'ai envie de chanter à plein poumon! Alors chantez, Harry, chantez! Hélène, je crois que je vous aime! Oh, Harry, cela est-il possible? Je n'ai jamais trouvé cela auparavant! J'ai beaucoup d'affection pour vous.
l'être le plus gentil, le plus délicat que je n'ai jamais rencontré. Mais qu'est-ce que vous dites? N'est-ce pas ce que vous vouliez entendre? Mais non! Non! Hé! Hey, je l'ai dit, moi! C'est à vous de le dire, maintenant! Il faut être bon joueur, hein! Oh, je ne sais pas vraiment! Je suis déroutée! J'ai été blessée une fois et j'ai besoin d'être sûre! Comment m'aimez-vous, Harry? Comment? Beaucoup! Énormément! Mais à quel point? À quel point? Je comprends ce que vous voulez dire. C'est un problème. L'amour, ce n'est pas un article que l'on puisse mesurer. Et pourtant, il y a des degrés différents dans l'amour. Suis-je la première femme que vous ayez jamais aimée? La vérité, maintenant! Hélène, je vous jure, c'est la vérité. Avant de venir sur ce pont, ce soir, je n'avais jamais regardé une femme plus d'une fois dans les yeux. Mais vous avez couché avec d'autres femmes, n'est-ce pas? Hélène, vous, dites-le-moi. Voilà. Toute mon histoire est là. Et souvenez-vous que c'était mon mari. Et que ça n'a rien à voir avec des antipathies ou des sympathies personnelles. Et vous dites-moi, j'aimerais savoir. Non, je me souviens pas et je pourrais pas m'en rappeler. Approximativement 28. 28 femmes différentes ou 28 fois avec la même femme? 6 femmes différentes une fois et une femme 22 fois. Qui était-ce? Le... Je veux savoir qui c'était. Gussy Gouleur, mais ça n'était pas de l'amour. Nous étions des petits gosses, des sales petits crétins sans cervelle. Son frère était mon meilleur ami. Et je... Merci d'avoir été loyal, Harry. Est-ce que Mielta était le seul? Le seul. Très bien, je lirai ça ce soir. Hélène, est-ce que vous m'aimez? Vous savez très bien que oui. Mais comment, Hélène? Dites-le-moi. C'est justement le problème que nous devons nous poser. Vous avez raison. C'est le problème. Ah! 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 Mais pourquoi avez-vous fait cela? Est-ce que vous êtes capable de m'aimer encore? Je vous aime, Harry! Maintenant, je vous crois. Si vous pouvez m'aimer un peu ce que je viens de vous faire, il y a... Oh, tout s'éclaire pour moi maintenant. Oh, oh là là.
Je crois que je vais me remettre à écrire de la poésie. Quand j'étais à l'école, j'en écrivais des tomes. Sous la fenêtre étoilée, les deux amants sont étendus sur le lit. Ils sont nus jusqu'aux épaules, car aucun d'eux n'a de tête. L'un des amants touche l'autre. L'autre... Arrête ! Oui, Hélène chérie. Donnez-moi votre veste. Ma veste ? Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Hélène... J'ai dit donnez-la-moi, s'il vous plaît. Je vous aime, Hélène. Je sais très bien que vous m'aimez, Harry. Harry ? Adieu. Vous ne voulez pas dire que... Je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas. Adieu, Hélène. Adieu, mon cher amour, adieu! Je vous aime, Hélène! Je vous aime, Harry! Je vous aime! Harry, mon monsieur! Attends! Harry, écoute-moi! Lâche-moi! Harry, l'amour! L'amour! Tiens, t'as vu où est-ce que ça mène, espèce d'âme? Vous n'avez pas besoin de faire ça! Vous n'avez pas besoin, c'est vraiment, vraiment... Oh, vraiment. Hélène! Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Il vaudrait mieux le lui dire. Hé, je crois que ce serait bien que vous lui dites. Ça serait plus judicieux que ce soit vous. Vous croyez? Je le crois, Harry. Très bien. Ok. Nous voudrions nous marier. Je vois. Je laisse ma femme et mon meilleur ami ensemble et voilà ce qui arrive. Devriez avoir honte tous les deux. Milt, je veux le divorce. Et plutôt tu nous l'accorderas, plus facile ce sera pour nous trois. Le divorce. Je vois. 5 années de mariage et tu viens me dire Milt, je veux le divorce. Et moi je dois tout accepter. Ne rien dire et applaudir à ce projet ridicule et moralement répréhensible. Mais sauver Milt, tu sais bien que... Peu importe ce que je sais, Harry. C'est une affaire entre ma femme et moi. Cela n'a rien à voir avec toi. Dis-moi pas pour l'instant. Milt, nous n'avons pas été heureux. Il est évident que notre mariage est un échec. Pas complètement, elle. Rappelle-toi, nous avons eu de bons moments. Rappelle-toi quand nous avons emménagé et que le peintre s'est enfermé dans la salle de bain et qu'il ne pouvait plus sortir. Il criait! Et les gens d'à côté! Et les gens d'à côté, ils croyaient! Ils croyaient! Et ça fait ton père! Et que tous les deux! Et que tous les deux vous battiez! Oh, quelle affaire! Hélène! Oh, quelle histoire! Hélène! Hélène est encore ma femme! Et aussi longtemps qu'elle est encore ma femme, j'ai le droit de lui parler sans que tu m'interrompes! Milt, nous devons prendre une décision. Je cherche que ton intérêt, mon chou. Tu lui accordes le divorce ou non? Crois-tu connaître cette femme assez bien pour pouvoir parler mariage? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Tu la connais depuis 20 minutes, Harry, seulement 20 minutes! Sais-tu que sa mère était alcoolique? Qu'elle ne peut pas voir son lunette? Qu'elle se rase les jambes et qu'elle ne nettoie jamais le rasoir? Milt! Je l'aime, Milt! L'amour... C'est très joli. Mais avant de donner mon consentement à ce mariage, mes enfants, je veux être sûr de que ce que vous savez, ce que vous faites. Je ne veux pas que cette femme puisse passer une deuxième fois par la triste expérience qu'elle a eue avec moi. Oh non, je ne le permettrai pas. Chérie, sais-tu que c'est un malade qui a des crises? Je sais. Tu es sûre? Je l'aime. Mais il n'a pas de travail. Je vais travailler. Quelle sorte de travail? Milt! Très bien, si c'est ce que tu veux, je t'accorde le divorce, mon chou.
comprendre. Vous ne comptez absolument pas sur moi. Vous le prenez sur vous, vous ne le faites pas. Ne venez pas me demander de l'argent, une pension ou quoi que ce soit, parce que je ne vous accorderai rien. L'un des vôtres assez grand pour savoir ce que vous faites. Vivez dans la modération. Travaillez ensemble dans un but commun. Chacun de vous respecte la personnalité de l'autre et tout marchera bien. Merveilleuse. Personne d'autre ne le sait mieux que moi. Et bien sûr. Merci. Ah, hey, hey. Pour mes 10 dollars que je t'avais prêtés. Voilà avec fille merveilleuse, Harry, tu les avais là. Oui, je sais, mais pour les 10 dollars. Tu me parles, là? Ah, qui d'autre? C'est drôle, je ne t'entends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Harry. Est-ce que tu ne peux pas parler un peu plus lentement? Je vais essayer de dire sur tes lèvres. C'est pour les 10 dollars que je t'appelle prêté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement que... Vous pouvez me dire. Je suis là pour ça. Pour être avec vous et pour vous aider. Hélène. Harry. C'est... l'Empire State Building. Oui. Oui, l'Empire State Building. Oh Linda, oh ma Linda. Comment vas-tu, Hélène? Très bien, et toi? Très bien, très bien. Linda! Oh, ne pourrait pas aller mieux. Harry? Oh, il est... heureuse, hein? Très heureuse. Il y a des moments où ça me fait presque peur. Est-ce que je peux tout simplement te remercier? Mais non, pas du tout. Je savais bien que vous étiez fait l'un pour l'autre. Vous ne te l'avez pas dit? C'est beaucoup plus que ça, mais beaucoup plus. Dans une heure à peu près, nous allons au musée. Ouvert la nuit? Ouvert? Oh, Milt! Milt Melville! Je m'excuse, mais tant de choses me reviennent. Oui, Milt. Le musée moderne est ouvert tous les jeudis soirs. Harry et moi, nous allons au musée ensemble. Ah. Nous empruntons des livres à la bibliothèque municipale. Ah. Nous jouons des tours sur les coques. C'est une vie tout à fait différente que celle que nous vivions tous les deux, Milt. Différente. Plus vivable, plus riche. Je ne voudrais pas te faire de peine,
Mais non, mais non, pas du tout, madame. C'est très bien arrangé pour nous les deux, je suis très content. Linda, ma Linda, cette petite femme, sa petite danse avant d'aller au lit, une danse arabe, une espèce de danse du vent, tu sais, elle se met un abat-jour sur la tête et... Oh, elle est étonnante. Je ne sais pas où elle a pris ça, mais... C'est pour cela que j'ai le plus grand et le plus profond respect pour Harry Berling. J'apprends de lui constamment. C'est la même chose avec Linda, tous les jours du nouveau. Avec les expériences qu'il a eues. Être avec lui seulement, c'est une leçon en soi. Je te disais toutes les choses que j'ai apprises de Linda. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression de rire davantage? Tu es tombée dans le mille, Hélène. C'est ça la différence. Nous nous levons le matin, les rires commencent. Avec Harry aussi. Des farces, des blagues. Je vais pas lui dire, Linda, je n'en peux plus. Arrête, je vais les éclater. Qu'est-ce qu'il y a, Mick? Je ne peux pas te mentir, pas à toi. Mentir, mais à quel sujet? Elle m'a quitté, elle s'est tirée. Mais quand? Il y a 2 ou 3 jours. Son avocat m'a appelé ce matin. Je ne peux pas supporter 2 échecs consécutifs, Len. Mais qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Qu'est-ce que les gens ont contre moi? Dis-le-moi, ça me rend fou. Pourrais-je peut-être aller la voir, lui parler, la faire revenir sur sa décision? Voir qui? Voir Linda. Cette sale feignante, ça peut bien pourrir en enfer pour que ça me touche. Ce n'est pas gentil, Milt. Oh, je sais bien que ça n'est pas gentil, mais j'ai dû vivre avec elle. Tu exagères, elle ne devait pas être aussi impossible. C'est toi qui le dis. Tu t'es toujours plaint que notre vie conjugale était sans surprise. Avec elle non plus, tu n'avais pas de surprise. Pas de surprise? Aussi, bon Dieu, elles m'ont réservé des surprises. Aussi, ton marié, ça n'était plus la même personne. Elle était changée physiquement du tout au tout. Même commencé à se laisser pousser une moustache. C'est pas de la blague, je te jure. Je ne pouvais pas la reconnaître. Chaque fois que je rentre à la maison, je croyais que je m'étais trompé d'appartement. C'est une disgrâce qui n'est pas rare chez certaines femmes. Tu aurais pu lui offrir ta sympathie au lieu de la critiquer. J'aurais dû lui offrir de la crème à raser, voilà ce que j'aurais dû lui offrir. Oh, je ne veux plus t'écouter, Emile, tu deviens cruel et méchant. Tu devais bien avoir certaines qualités pour que tu l'épouses. Je ne porte pas d'accusation à la légère, Hélène. Tu le sais, tu sais que ça n'est pas mon genre. Mais je suis prêt à parier avec toi que cette femme m'a eu en utilisant des drogues ou des stupéfiants. Comment aurait-elle pu procéder? Par injection intraveineuse pendant que je dormais. Regarde. Regarde ça. Milt, depuis que je te connais, tu as toujours eu ces taches de rousseur. Des taches rouges? Est-ce que j'ai jamais eu des taches rouges? Je sais que j'ai raison, Hélène. Ça n'est pas possible qu'un être humain change à ce point. Du jour au lendemain. Même sa voix, elle s'est mise à lui sortir du nez. Hé, hey, qu'est-ce que t'as rentré comme ça en laissant la porte ouverte? Voilà ce que ça donnait, c'était pas croyable. Elle tenait la maison propre, au moins. La maison propre? Voilà, Hélène. Vas-y, tape! Alors, j'exagère? J'ai tout inventé? C'est une honte, une honte! Vous ne foutez plus rien. Elle a lâché son travail. Elle restait au lit du matin au soir à manger des bonbons. C'est absolument honteux! Je suis désolée, mais c'est sans excuse. Sans aucune excuse. Quelle bonne femme horrible, répugnante, lascive, abominable à la duette! Elle était, elle était. Mais comment as-tu pu vivre avec cette femme pendant ces 4 mois? N'as-tu aucun orgueil, aucun amour propre? Moi, je voulais. Est-ce que je t'aurais laissé sortir avec une veuve dans cet état? Non, non. Est-ce que je restais toute la journée au lit à manger des bonbons? Non, non. Et pourquoi? Parce que tu étais bonne, parce que tu n'es pas égoïste. Parce que j'étais idiote. Voilà pourquoi. Parce que je faisais la vaisselle au lieu de penser à l'amour. Elle a des têtes. Oh, tu n'as pas besoin de me faire un dessin. Une de ces femelles hystériques se fassera. Toutes les mêmes. Rien que d'en parler, je me rends malade. Tu devrais te retourner te débarrasser. Heureux? Comment pourrais-je être heureux? Mais il n'y a pas quelqu'un. Tu es irresponsable. Il n'y a
Je dois m'en aller. Moi aussi, j'ai des problèmes. Je ne peux pas passer toute la nuit à... Je n'y pouvais rien, Hélène. Vraiment, je ne pouvais rien faire d'autre. Est-ce que tu crois que j'ai envie de foutre ma vie en l'air comme un gamin amoureux? Cette femme, hein. Elle est merveilleuse, elle est trop merveilleuse. Oh chérie, comment j'avais le courage de te parler. On va peut-être aller la voir. Montre-moi, mais c'est ma photo. Bien sûr, c'est ta photo. Mais tu l'as prise, on a... Le 23 juillet, tu crois, je ne sais pas. Tu ne veux pas dire. J'étais déchiré. Ce n'est pas par hasard si je suis ici. Harry m'a téléphoné ce matin. Il a demandé de me voir pour récupérer un peu d'argent que je lui dois. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis venu parce que... Parce qu'il fallait que je sache comment tu allais. Ce que tu faisais si j'avais une chance. Tout ce que tu as pu penser sur moi ne rime absolument à rien. Je suis Madame Harry Berlin. Et si tu as commis une erreur, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas ça qui rendra les choses plus faciles, Hélène. T'es un imbécile, stupide imbécile. Égoïste. Hypocrite, égocentrique, étroit d'esprit, tout ce que tu disais. Mais... Hélène, ma chérie... Non, mais... Je n'y peux rien, il est trop tard. En dehors de toute autre considération, Harry a besoin de moi. Il dépend de moi. Et si je ne rentre pas ce soir pour lui donner à manger, il ne me dînera pas. Tu lui donnes à manger? Deux tiers d'eau et un tiers de lait, voilà tout ce qu'il prendra. Il va au plus mal. Il a eu plusieurs crises et ça n'a pas toujours été facile pour moi, Milt. Mais je connais mon devoir. Le mariage est quelque chose de plus que les deux aides qui m'ont contracté. Quelque chose que tu ne connaîtras jamais. Malgré l'éducation qui m'a été donnée, malgré mes diplômes universitaires, je veux avant toute chose être une bonne mère et une bonne épouse. Et où est l'homme pour qui je pourrais être une bonne épouse? Où sont les enfants qui me réclameront mes bras et le lait de mes seins? Ici, le voilà. Toi? Oui, moi. Tu ne vois pas que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé. Dis-moi, quelle était l'activité de Sugar Robinson entre 1940 et 1944? De 1940 à 1944, Sugar Ray Robinson a gagné 50 matchs professionnels. Il en a gagné 49, 34 par KO, 15 par décision d'arbitre. Il n'a perdu qu'une seule fois en 1943 contre un certain Jacques Lamotta. Je savais bien que ce connard se courait l'autre soir. Oh chérie, tu m'as tellement manqué. L'intelligence d'un homme, oui. Mais l'émotivité d'une femme! La sécurité innée d'une femme! Je refuse d'être renvoyée de l'un à l'autre comme un vieux sac! Je ne ferai jamais une chose pareille! Tu l'as fait pourtant! Si tu me donnais une nouvelle chance. Tu oublies toujours que je suis une femme mariée. Ellie! Ce n'est pas ça qui arrangera les choses. Je t'en prie, réfléchis. Je ne suis pas d'humeur à jouer tes petits jeux, Milt. Ok, ok. Écoute, Hélène. Dis seulement que tu aimes Harry Berlin. Tu es heureuse avec lui et je m'en irai. Tu ne me reverras plus jamais, je te le promets. Que j'aime Harry Berlin. Dis seulement cette phrase. Que
Et ce sera un adieu à Mintmanville, avec ses manières un peu sottes, mais quelquefois gentilles. Je t'en prie, mille pas de ça, je t'en prie. En larmes, j'ai crié que ça ne pouvait être. L'amour en retour est de mon pauvre être. Nous ne pouvons pas tout recommencer. Bien-aimé. Dostoïevski. Mais non, chérie, mais t'as dit. Oui, Mitt. Oui, Penville. Je t'ai toujours aimé. Je venais ici presque tous les soirs en espérant que tu viendrais. Je ne voulais pas épouser Harry Berlin. Tu ne voulais pas épouser Harry, n'est-ce pas? Tu sais très bien que je ne voulais pas l'épouser. Je sais, je sais. Je priais pour que tout à l'heure tu n'aies pas cru tout ce que je t'ai dit. Je ne l'ai pas cru, je te jure. Ce n'est pas vrai qu'Harry devait m'ennuiser. Il ne m'emmène jamais nulle part, même pas au cinéma. Je sais, écoute. Écoute, tout va s'arranger, Lé. Il va falloir nous apprendre à nous limiter, à établir un budget, à faire quelques sacrifices. Ce sera difficile, mais la première chose que je vais faire, je laisse tomber mes affaires de brocante et vêtements d'occasion. J'en ai marre de travailler la nuit, j'en ai marre de fouiller dans les poubelles. Mais ça comptait tellement pour toi. Mais tu comptes bien davantage pour moi, Hélène. Notre bonheur compte davantage. Tous les soirs à 5 heures, je la pousserai cette porte. Et avec un journal sous le bras, et un sourire pépette. Qu'est-ce qu'il y a à dîner, chérie, ce soir? Beefsteak, pommes frites, purée de pois chiche au ketchup, comme tu l'aimes. Exactement comme je l'aime, chérie. Oh, je ne te contredirai plus jamais, plus jamais, jamais. Un seul boulot me suffit. Tous les soirs, sans exception, je les passerai avec toi. Je ne ferai plus de statistiques et pose-moi une question.
Quels sont les pays qui ont créé la Société des Nations en 1910? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Je veux noyer mon intelligence pour que nous puissions être heureux tous les deux. C'est tout ce que je désire au monde. Et moi, tout ce que je désire au monde, c'est toi. Et la possibilité d'être un jour fabuleusement riche. Tu seras riche, tu seras riche. Harry, Perlin. Tu divorceras. Il ne faudra jamais divorcer. Il faut s'en débarrasser. Cela demandera du temps, de l'argent. Je sais bien. Écoute, Hélène. Harry doit arriver d'une minute à l'autre. Rappelle-toi, c'est un homme qui envisageait le suicide. S'il lui arrivait de perdre l'équilibre et... Qu'est-ce que tu dis, Milt? Je dis s'il tombait du pont et... Non, ne continue pas, non! Mais c'est la seule issue! Non, je ne veux pas ça, non! Alors tu ne m'aimes pas vraiment? Mais si, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas! Je te jure que si. Si tu m'aimais vraiment, rien ne nous arrêterait, rien au monde! Mais tu ne te rends pas compte, c'est ta meurtre! Un meurtre? Mais tu es folle qui a parlé meurtre! Tout ce que j'ai dit, c'est... Mais moi, je suis sûr que si on le prend... Je crois pas que tu m'aies jamais vraiment aimé. Tu te trompes. Ne touche pas. Mais... Je t'ai dit de ne pas me toucher. Ne fais pas l'enfant. Pourquoi? Parce que je te demande cette petite chose pour me prouver ton amour? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais bien. Harry Perlin. Harry Perlin. Oh, bon, je sais que ça ne marchera pas, tu ne peux pas. Il arrive. Le voilà, c'est lui. Écoute, Hélène, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Viens par là. Je dois parler à un vieux en particulier. N'écoute pas et ne regarde pas. Mais tu ne vas pas, tu ne peux pas! Viens par là, viens par là! Harry, je viens de parler. Oh, assez-toi, Hélène, qu'est-ce que je deviendrai sans toi?
Qu'est-ce que je deviendrai? Comment est-ce que je vivrai? Oh, Hélène, ma douce, ma chérie. Tiens-moi, tiens-moi. Non, arrête ça, pas ce soir. Assieds-toi maintenant. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a, ma très aimée? Assieds-toi convenablement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, ma très aimée? Écoute-moi, c'est important. J'ai essayé d'être une bonne épouse pour toi. Et malgré tous mes efforts, notre mariage est un échec. Notre mariage, un échec. Oui, Harry, un échec. Je sais pas quoi dire. C'est un tel coup de massue que... Jusqu'à présent, je pensais que nous avions fait un mariage heureux. Tu pensais? Je me posais pas la question. Mais comment pouvais-tu penser une chose pareille? Tu ne m'as jamais entendu marcher toute la nuit dans la maison? Tu ne m'as jamais entendu pleurer toute la nuit dans la salle de bain? Non. D'après toi, qu'est-ce que je pouvais bien faire toute la nuit dans la salle de bain? Je t'aime, Hélène. Je t'ai posé une question, Harry. Qu'est-ce que je pouvais bien faire toute la nuit dans la salle de bain? Je voulais pas y penser. Je me réveillais souvent en pleine nuit. Je regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire pendant tout ce temps dans la salle de bain? Mais... je voulais pas que tu changes. Je voulais que tu restes exactement comme tu es. C'est un crime. C'était ton devoir de chercher à savoir ce que je faisais dans la salle de bain. C'est vrai. À partir de maintenant... Ton mariage avec Michel dès le premier jour. Je n'en ai pas gardé un seul bon souvenir. Oh non! Tu exagères, Hélène. Quand même, nous avons eu des bons moments. Tiens, rappelle-toi! Rappelle quoi? Où est mon chapeau papier? Je n'ai pas ton chapeau papier, tu le sais bien. Notre mariage a été une erreur. Et tout ce que nous ferons pour y mettre fin sera un pas dans la bonne direction. Non, c'est impossible. Je suis responsable de toi. Responsable de moi? Mais c'est une plaisanterie. Mais depuis que nous sommes mariés, tu n'as pas travaillé un seul jour. Tu ne m'as pas donné un sou. Justement, je voulais te faire une surprise. Et bien tu as réussi. Mais j'ai pas perdu mon temps, j'y réfléchis. Je vais faire machine arrière, réaliser ce que j'ai toujours désiré. Faire machine arrière, repartir à zéro. À la rentrée, je reprends mes études de médecine. Ça ne marchera pas. Bon, ouais, d'accord. Je comprends, je comprends. Ouais, les interventions, les appels de nuit, mes habits pleins de sang, ouais, non, ça va pas tout seul. Le droit! À la rentrée, je vais m'inscrire au barreau. Non, Harry. Mais pourquoi pas? Je ne t'aime pas, un point, c'est tout. Je me demande même si je t'ai jamais aimé. Mais qu'est-ce que tu dis? Voyons, l'amour, qu'est-ce que t'en dis de l'amour? Qu'est-ce que tu veux dire, l'amour? Qu'est-ce que c'est? J'aimerais beaucoup que tu m'en donnes une définition. C'est... Qu'est-ce que c'est? Les oiseaux, le soleil, notre soleil. Je ne vois pas de soleil, et toi? Où est mon chapeau en papier? Pas ton chapeau en papier. Il est plus sur ma tête, hein. Il y a quelqu'un qui me l'a pris. Tu prétends que l'amour a une énorme importance pour toi, mais ce n'est pas vrai. Tu t'en sers pour justifier ton manque de caractère. Tu t'es bel et bien servi de moi. C'est ça qui rend furieuse. Je fais ton travail, je remplis tes obligations. Mais comment peux-tu appeler ça de l'amour? L'amour, s'il existe, est donné et recevoir. Un échange mutuel d'émotions, un développement progressif basé sur une attraction physique, de carrière complémentaire et de simple ressemblance sociale. C'est ça ce que tu penses? C'est exactement ce que je pense. Alors pas de tendresse, pas de romanesque, pas de subconscient. L'amour, c'est seulement un développement progressif basé sur une attraction physique, une carrière complémentaire et de simple ressemblance sociale. Et c'est tout? C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Et tu n'as pas honte de me dire ça? Pourquoi est-ce que...
que j'aurais honte. L'amour, c'est simplement un développement progressif basé sur une attraction physique, des carrières complémentaires et de simples ressemblances sociales. C'est la même. Tu n'en reviens pas? Ma femme? Ma propre femme? Celle qui a échangé les vœux solennels avec moi. Tu peux rester planté là, me regarder et puis dire... L'amour est un développement progressif basé sur une attraction physique, de carrières complémentaires et de simples ressemblances sociales. Ah! 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 Hélène! Maudis-moi! Pitié-moi! Mets-moi en pièce! Ouais. Je t'en conjure, par égard à tous ces jours et toutes ces nuits que nous avons passées ensemble, ne dis pas... L'amour est un développement progressif basé sur une attraction physique de carrière complète... Ah! 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 Je ne peux pas croire... Je ne peux pas croire que... ça nous arrive à nous! Pas à nous! Pas à Hélène! Et à Riverine! Cela nous arrive! Et tu dois voir les choses comme elles sont! Ce n'est pas agréable! Et ça ne sert à rien de les ignorer! J'ai autre chose à te dire et j'aurai fini! J'aime Mick Melville et il m'aime! Ah! 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 Nous réalisons que nous avons agi à la légère. Il est fâcheux que tu nous aies rencontrés ce jour-là. Je suis sûre que mille témoins nous aurions aplani nos différends. Ne me demande rien, surtout ne me demande rien, ça a été épouvantable. Mais je... Je t'ai dit de ne rien me demander. Et pour toi, pourquoi tu es fâché contre moi? Non, comment ça? Tu sais qu'il a essayé de me tuer? Harry, ton mari, celui pour qui tu te faisais tant de soucis. Oh non. Aussi, il ne m'a pas lancé du pont par-dessus son épaule. Une chance qu'une péniche soit passée par là. Ils m'ont ramassé, ils m'ont donné ses habits, du café et du pain d'épices. C'était du pain d'épices à la cannelle! Oh, mon pauvre Mick, je suis contente que tu sois sale sauf. Je ne dis pas merci. Comment peux-tu dire une chose pareille? À qui la faute, hein? Je t'ai dit qu'il n'y avait qu'une manière de s'en sortir. C'est lui ou nous, l'un ou l'autre. Mais tu pas d'accord avec moi, ma chérie? Regarde-le. Il n'est utile à personne, pas même à lui-même. A bien peser les choses, qu'est-ce que ça serait? De l'euthanasie? Voilà ce que ça serait. Et rappelle-toi ce que tu disais de l'euthanasie, ma chérie. Il devrait être supprimé sans souffrance par un comité impartial de citoyens notoires. C'est ce que tu disais. Eh bien, n'est-ce pas comme si nous faisions partie de ce comité de citoyens notoires? Il n'y a pas grande différence. Évidemment non. Il y a une différence de degré, pas de nature. Exactement. Je t'aime, Milt. Mon amour. Je t'aime, Milt. Pour l'éternité. Pour toujours et toujours. Je t'aime, chérie. Je me sens nerveuse. Ne le regarde pas. Regarde mes yeux, regarde-moi. Et dis-moi, je t'aime, Milt Melville. Je t'aime, Milt Melville. Je t'aime, Hélène. Je t'aime, Milt Melville. Retourne-le par Hélène. Je t'aime, Milt Melville. Mais ne bouge pas, Hélène. Je t'aime. Les oiseaux, les soleils, c'est un autre. Oh, assez, Milt, il est la foule est tombée. Milt, fais quelque chose, il va se noyer. Au secours, quelqu'un. Au secours, Milt. Au secours, au secours. Milt, au secours, quelqu'un. Tu le vois? Hé, il est là, près des canaux. Il est ramassé, là, vient la lumière, regarde. Milt, Milt. Hé, bon Dieu, Milt, qu'est-ce qu'il va pas? Oh, il ne nous entend pas. Espèce d'enfant de salon. Non, je vais l'attendre. C'est d'autres amis que je suis là. Je pensais pas qu'il ferait une chose aussi stupide. Mais il n'a rien. En plein monde. Mais quel monde! Les gens qui essayent de se suicider, qui se jettent des ponts, qui ouvrent le robinet du gaz, qui avalent du poison, ouais. Ils le savent, ils le sentent. Regarde le ciel, il a essayé de faire tomber de la pluie toute la nuit, mais il n'a pas pu. Parce qu'il est vide, comme le reste. Il est vide et mort, et bientôt, bientôt... Je n'avais pas entendu. Je t'ai dit que mille témoins... Très bien, tu me l'as dit, très bien.
regarde. Regarde ça. Ces lignes verticales noires divisent en jours les 4 mois de notre vie conjugale. Chaque fois que la ligne horizontale rouge rencontre la ligne verticale noire, cela indique un rapport sexuel pour une période de 24 heures. Où est la ligne horizontale rouge? Il n'y en a pas! Tu comprends maintenant? Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit? Moi, j'essaye d'être un bon mari, mais si tu ne me dis pas, moi, j'ai pas été marié avant. Toi, si, ne l'oublie pas. Tu aurais pu savoir certaines petites choses par toi-même. Je voulais que nous apprenions à nous connaître. Je voulais te laisser le temps que... Oui, que nous devenions des amis, et puis... Non, tu aurais dû me le dire, vraiment, tu aurais dû, hein. Voilà qui aurait arrangé les choses. Pourquoi dis-tu ça? Aucun homme normal ne se serait comporté comme tu l'as fait pendant ces 4 mois. Je ne préfère pas en dire plus. Ah, mais non, 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 dis. Ça va être fini. Dis-le, vas-y. Très bien. Je vais le dire. Tu crois te connaître toi-même. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne te connais pas du tout. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es incapable de ce genre d'amour. Pendant tout ce temps, tu aimais... Tu aimais Mitt. J'aime... Quoi? Oui, Mitt. Mitt, Melville, tu l'as toujours aimé, je suppose. Même autrefois à l'école. En m'épousant, tu m'as prise comme substitut. Parce que tu n'osais pas assumer ton homosexualité latente. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que tu es une pédale. Mais c'est impossible! Si c'est possible et c'est vrai! Ça explique ton attitude envers la vie, tes crises et tout le reste. Je suis désolée, mais c'est toi qui assistes. J'aime Milt Manny. Je le crains, Harry. Mais c'est ridicule! Un type qui m'est même pas sympathique! Tu crois vraiment, Harry? Cette façon qu'il a de rire, cette façon qu'il a de retrousser ses lèvres quand elle sourit. Cette façon qu'il a de se tenir droit comme un soldat. Et ses yeux quand il brille. Comme il pétille. Ses yeux. Nous l'aimons tous les deux, Harry. Milt Manville. Milt Manville. Je ne lui ai jamais envoyé de fleurs. C'est une chose que l'on n'admet pas facilement. Ses jambes. Ah non! Mais non, non! Tu es folle! Non, c'est toi que j'aime! Oui, d'ailleurs, je vais te le montrer, je vais te le prouver! Je vais t'emmener! Oui! N'importe où, je vais t'emmener! Nous serons heureux! Heureux! Je vais te rendre heureux! N'importe où! Heureux!
embête. Ne te fâche pas, pas contre moi. Arrête ces coin-coins idiots. Pourquoi est-ce que tu m'en veux? Je t'ai demandé une toute petite chose à faire pour moi. J'ai essayé. Non, plutôt mollement, non? J'ai essayé, pitié, tu es tout ce que j'ai au monde. Tu parles. Est-ce que tu serais ici à te supplier comme je le fais? Tu es peut-être encore en train d'essayer de me mentir. Est-ce que c'est le visage d'une menteuse, ça? Oh, et puis à quoi bon me torturer moi-même? Je suis pas de bois, tu sais comment je suis, Hélène, tu sais comment je suis faite. Oh, mais... enfermés en nous-mêmes, dans des petites cases bien séparées. Plus d'amour, plus d'espoir. Ça, tout ça. Plus rien. Ah, au diable, tout ça. Que la mort vienne. Ensemble pour toujours! Enfin, jusqu'à la fin des fins! Oh mon amour!
sûr. Et nous l'appellerons Harry. En souvenir d'Harry Merlin. Harry Menville? Oui, Harry Menville. Oh, je suis si heureux. Oh, Harry doit être heureux aussi. Il est, je sais qu'il est. Oh, oui. Oh, je t'aime, Hélène. Oh, je t'aime, mon unique et premier mari chéri. Oh, non, tu ne peux pas m'aimer plus que je t'aime, Hélène. Plus que tu m'aimes. Mais non, jamais, jamais, pas autant que tu m'aimes. Si, beaucoup, beaucoup plus. Mais, combien? Mais... Dis seulement combien? Ne recommence pas, Milt. Mais c'est une question raisonnable. Je t'en prie, Milt. Non, non, il n'y a pas de je t'en prie, Milt. Dis seulement combien? Et avec Harry? Et avec Linda? Je n'ai jamais aimé Linda. Mais tu as couché avec elle, n'est-ce pas? Tu l'as fait! Tu l'as fait! Dollars.